Et la rue, elle est à qui? Hein? Elle est à qui, la rue? Hein? Bah, elle est à nous, la rue, non? C'est déclaré. Je vois quelques enseignants du lycée premier. Surtout pour la sécurité au niveau des enfants, là, ce sera plus simple pour eux. Vous pouvez les lâcher. Ça va? Je ne connais personne en France. Je ne connais pas. On va pouvoir rentrer, c'est pas mal. Salut, ça va? Bientôt 2 ans de pandémie, 50, je l'ai dit, 50 protocoles différents. Aucune concertation avec les organisations représentatives syndicales de la part de ce ministre. Et ce mépris, c'est, voilà, il y en a vraiment ras-le-bol. Et c'est ce qu'on va répéter, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, hein, pour dire que c'est pas possible de continuer cette politique éducative. Les moyens ne sont pas au rendez-vous, et pourtant, des moyens, il y en a, puisque ça fait plusieurs années que ce ministre rend de l'argent, il faut savoir, à Bercy. 600 millions l'an dernier, 600 millions d'euros ont été rendus à Bercy. Alors avec ces 600 millions, nous, on a plein d'idées, hein, qui pourraient permettre justement d'améliorer le quotidien, à savoir déjà des équipements. Vous savez qu'on n'est toujours pas équipé en masque, et ça fait 2 ans que ça dure. On n'est pas équipé en détecteur de CO2, à part quelques communes qui font ça sur leur denier, hein, pour ne pas les citer, Joigny, Villeneuve-sur-Yonne par exemple, qui ont décidé de fournir les capteurs de CO2 pour chaque classe. Et on en est loin, et ça fait 2 ans que ça dure. Cette année, il a encore vendu 75 millions d'euros. Alors, on parle du matériel, bien entendu, mais il faut aussi parler des personnels. Parce que, on a remarqué que pendant cette crise aussi, le manque criant de remplaçants, à tous les niveaux, faisait défaut. Eh bien, ce n'est pas en supprimant, comme il l'a fait pendant 5 ans, 7500 postes, hein, je rappelle, 7500 postes dans le second degré ont été supprimés, alors que la pandémie courait, et avec des carences très importantes en éducation, notamment pour les publics les plus fragiles. Donc on voit bien que c'est tout le système éducatif... Avec un Blanquer qui nous dit qu'effectivement, on ne fait pas grève contre un virus. Et je crois que même à Matignon, il s'en sont rendu compte, puisque ce n'est pas lui qui a fait les dernières annonces, c'est le Premier ministre. D'ailleurs, les organisations syndicales représentatives ont décidé, ont demandé un rendez-vous pour la suite, et elles ont demandé un rendez-vous au Premier ministre, disant que M. Blanquer n'était plus en capacité, en tout cas, de gérer cette situation de crise, et notamment la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire. On pourrait aussi vous donner des chiffres un peu précis de la mobilisation.
notamment dans le primaire et dans les collèges, avec des niveaux de grève, je vous ai dit, très importants, avec des écoles complètement fermées. Maternelle élémentaire, complètement fermée, 100% de grise. À Paris de même, Calmette, complètement fermée. À Sens, Pierre Larousse. Sens, Jules Ferry, 13 grévistes sur 14, donc pratiquement du 100%. Je ne donnerai pas la collègue qui est pas vraiment. Bien sûr. Il peut y avoir des raisons personnelles. On a aussi le soutien, j'ai dit, des gens qui se perdaient pour X raisons. Hein, mais je pense que ce qui fait aussi de cette mobilisation et de cette grève historique, c'est que, aussi bien au niveau syndical, il y a une unanimité, mais la population aussi nous soutient. Et les parents d'élèves, malgré les difficultés qu'ils vont rencontrer aujourd'hui pour garder leurs enfants, nous soutiennent. Beaucoup n'ont pas mis ceux qui pouvaient garder leurs enfants, l'ont gardé. Et ceux qui ont été obligés de le mettre, notamment avec ce fameux SMA de Sarkozy, là, pour garder l'accueil minimum, eh bien, nous soutiennent. Donc c'est vraiment une unanimité à tous les niveaux, des personnels, mais aussi des parents d'élèves. C'est à souligner quand même sur cette journée. Donc j'en étais à Sens, donc je suis effectivement Louis-Michel à Saint-Martin-du-Tertre, aussi largement vrai, Courtabé, complètement fermé, école fermée, école de Jouy à 75% de grévistes, à Auxerre toujours, à Auxerre ça fait très fort, c'est Auxerre-Brazin, complètement fermé aussi, Brassy, l'école élémentaire est fermée, Villiers-Saint-Benoît fermé, Saint-Maurice-le-Vieil fermé, à Joigny, Albert Fernier, 10 grévistes sur 11. Renoir, Auxerre, complètement fermé. Rive droite, toujours à Auxerre, fermé complètement. 11 sur 11 grévistes. Hein. Donc ce sont des grosses écoles. Les grosses écoles ont suivi le mouvement. À Vallon, Jean de Fontaine, 4 grévistes sur 6. L'école primaire de la Seine-Saint-Cyr, 100% de grévistes. Villeneuve-la-Guyard, 100% de grévistes. À Villeneuve-la-Guyard, 7 sur 11. À Chambre, l'école est fermée. Chambre, les deux écoles maternelles et élémentaires fermées. Saint-Clément, fermé également. Domicile-sur-Pure, fermé. Sens-les-Arènes, fermé. À Villeblevin, effectivement, également 4 grévistes sur 6. À Sens, plus de 60%. Paul Derrière, plus de 60% de grévistes. Joigny-Cardonard, 4 sur 5 grévistes. Chevannes, également, plus de 50% de grévistes. Sens aussi, plus de 50% de grévistes. Virginie également. Misène-Gérard-Fly, plus de 60% de grévistes. Sens, je trouve plus de 60% de grévistes. Sens, plus de 50% de Rigaud, plus de 50% de grévistes. Toujours dans les écoles fermées, l'école Tournée, à Auxerre, fermée, à Teille-sur-Vanne, les trois relais, 5 sur 5, 100% de grévistes. À Lindry, 5 sur 5, 100% aussi, école fermée. C'est pas mon propre commentaire, j'ai une utilisation, j'ai une grosse police. Eh bien, on est nécessaire, je vais vous montrer la formule, je vais vous montrer la formule, je vais vous montrer la formule. Bonjour à tous, on est très nombreux aujourd'hui, très nombreux à faire grève, des antennes ici, des dizaines de milliers dans toute la France. Pour dire, ça suffit, trop c'est trop, cette gestion sanitaire c'est la goutte d'eau, aucun moyen, aucune protection, et au lieu de ça des protocoles, 50 protocoles, des protocoles qui varient au gré des humeurs du gouvernement, il y en a assez, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Ce sont ces protocoles, ce ne sont que le symptôme du mépris du ministre. Nous voulons des moyens. Nous voulons des postes. Le ministre doit répondre aux revendications tout de suite. Cela fait des mois et des années qu'il refuse d'entendre ce que nous demandons, d'entendre les organisations syndicales, d'entendre les personnels qui réclament plus de moyens pour les services publics et pour les services publics d'éducation. Les annonces du Premier ministre Castex ne satisfont personne. Le ministre Blanquer, qui ne débourse pas un centime pour l'éducation, c'est insupportable. Et quand il vient nous dire avec son protocole que c'est à nous de gérer,
que c'est nous qui sommes responsables, à nous de faire les contrôleurs de tests, le traçage, l'ARS, et maintenant même de délivrer des ordonnances. Non, le seul responsable, c'est le gouvernement. Cela fait 2 ans qu'on demande une vraie protection, avec notamment des masques FFP2 pour ceux qui le souhaitent, et des postes et des recrutements sur les listes complémentaires au concours. À savoir que dans notre académie, il y a 20 collègues qui ont passé le concours, qui sont en attente d'être recrutés, qui ont fait toute la formation et qui ne sont pas recrutés. Ces 20 collègues, ils permettraient par exemple de remplacer tous les collègues qui sont absents et qui ne sont pas remplacés et qui sont la cause des fermetures de classe. On veut des postes, on veut le recrutement sur les listes complémentaires au concours et on veut qu'ils soient recrutés immédiatement. On veut aussi l'augmentation des salaires. Parce qu'on nous parle de reconnaissance, le directeur académique nous a dit qu'il était très reconnaissant de ce que faisaient les personnels. Eh bien, cette reconnaissance, on veut la voir sur la fiche de paye. On veut l'arrêt de toutes les contre-réformes que le gouvernement et que le ministère fait passer en profitant de la crise actuelle, notamment la loi RIAC, la réforme du lycée général et professionnel, toutes les contre-réformes qui sont en train de massacrer l'école. Tout ça, ça suffit. Il faut que Blanquer nous réponde. On veut une réponse du ministre. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment faire pour se faire entendre et pour obtenir cette réponse. Là, ce soir, peut-être qu'il y aura une prise de parole. Les organisations syndicales au niveau national ont demandé à être reçues par le Premier ministre Castex sur les revendications. On ne s'attend pas à un miracle, on ne s'attend pas à des réponses tout de suite où ils vont nous dire « ça y est, on débloque les postes, on débloque les moyens ». Ils vont peut-être dire 2-3 trucs, mais ça va être encore le mépris général. Donc il faut qu'on envisage ensemble comment on continue, comment on pousse, comment on établit le rapport de force pour se faire entendre. Donc, on rentre. J'entends qu'ils disent « on rentre ». Oui, ça a été envisagé. Après, est-ce que ça nous permettra d'avoir une réponse? On sera reçu tout à l'heure en audience. Moi, je suis d'accord pour qu'on en discute. En tout cas, pour qu'on discute ensemble, dès maintenant, puisqu'il est prévu une assemblée générale. Donc, qu'on prenne la parole et qu'on discute ensemble de comment on envisage la mobilisation, comment on envisage la suite. Il y a un appel qui a été lancé pour le 27 janvier. Un appel interprofessionnel, national, sur la question des salaires et des conditions de travail. Sur la question de l'emploi. On s'y inscrit totalement. Il y a un appel intersyndical, FO, FSU, CGT et Sud Solidaire pour participer à cette mobilisation du 27 janvier. C'est une perspective, mais il peut y en avoir d'autres aussi. Il faut qu'on discute. Il y a certains établissements qui sont déjà actuellement en grève reconductible. C'est le cas à Villeneuve-sur-Yonne, par exemple, mais partout en France. Il y a des collègues qui sont déjà en grève reconductible, certains qui comptent s'y mettre. C'est une question qu'il faut qu'on se pose collectivement. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on pousse? Est-ce qu'on établit le rapport de force pour obtenir une réponse du ministre Blanquer et du gouvernement pour avoir les moyens pour que l'école puisse fonctionner et pour qu'on puisse continuer à exercer notre métier dans des conditions acceptables? Et pour cela, il n'y a rien d'autre à envisager que de pousser un maximum pour toutes les revendications. Les syndicats, les personnels, les parents doivent être entendus. Les protocoles qui sont inapplicables, leur perpétuation et la fatigue des collègues dans tous les secteurs de l'éducation, nous revendiquons des détecteurs de CO2, des purificateurs d'air, des masques FFP2 et tout simplement beaucoup plus de moyens humains. Nos revendications, elles sont là depuis des années. Elles sont simplement mises en avant, on met en avant le manque criant de moyens dans l'éducation nationale à cause de cette crise sanitaire. Elle met aussi en avant les contre-réformes sociales et l'avancée du néolibéralisme dans un secteur public qui peu à peu s'ouvre à des logiques de marché et contre lesquelles nous condamnons fermement leur application peu à peu. Nous demandons bien évidemment le recrutement massif et titularisé de postes d'assistants d'éducation, d'infirmiers, d'AESH également. Aussi, nous voulons souligner le manque de cohérence de ce gouvernement et non pas simplement que de Blanquer. Nous savons très bien que si le Premier ministre ou le ministère nous
nous accueille ou nous reçoit, de toute évidence, on sait que ce gouvernement est un gouvernement qui a fait le choix de la répression et de la peur pour museler les contestations sociales. Il y a quelques jours, Macron vient d'annoncer plus de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour doubler les effectifs de police sur la voie publique. On sait très bien que ce gouvernement se prépare à réprimer les prochaines luttes sociales, et c'est aussi pour ça que nous devons contester et instaurer un rapport de force conséquent. Et c'est pourquoi nous proposons la mise en place à l'ordre du jour d'une grève reconductible. J'insiste, une grève reconductible qui doit être posée et débattue maintenant par l'ensemble des collègues qui sont grévistes. Enfin, le 19 janvier aura lieu, à l'appel de la coordination des assistants d'éducation, une mobilisation à laquelle nous devons les soutenir, puisqu'un projet de loi à l'Assemblée nationale va être discuté pour leur titularisation. Nous devons être là pour les soutenir et faire bloc ensemble pour une logique, non pas simplement de casse contre le corps enseignant, mais dans l'ensemble du secteur éducatif. Et enfin, comme l'ont dit mes camarades de FO, une grève dans le secteur public est prévue pour le 27 janvier. Nous savons très bien que des journées ponctuelles ne nous donneront pas la force de gagner. Nous devons donc appeler à cette journée pour qu'elle soit un succès. Le baccalauréat général et professionnel, Parcoursup, inclusion systématique, évaluation d'école et d'établissement, mesure de néo-management du Grenelle de l'éducation. Et le maintien du caractère national de l'école de la République. Et donc ça conclut ainsi, tous les salariés du public et du privé sont appelés à la grève et à se rassembler le 27 janvier 2022 à l'appel de FO, CGT, FSU Sud et des organisations de jeunesse. Leurs revendications sont les nôtres. Non à la déréglementation et à la territorialisation de l'école publique, pour la défense des services publics, augmentation des moyens, augmentation générale des salaires. Toutes et tous en grève, jeudi 27 janvier. Il y a des moyens, on va dire matériels pour l'instant. C'est que les épreuves, puisque les épreuves vont avoir lieu pour le bac dans très peu de temps pour les spécialités de terminale, c'est que le ministre se rend compte enfin de l'infaisabilité, au-delà de la stupidité totale de cette réforme qui est totalement idéologique et qui sert uniquement à justifier les mêmes moyens, c'est qu'il y ait en urgence un report des épreuves écrites à la fin de l'année. Nous, ça nous va très bien parce que de toute façon, le souhait de toutes les organisations syndicales, enfin en tout cas de la plupart des organisations syndicales, c'est que les épreuves soient de nouveau des épreuves de fin d'année et des épreuves nationales. Mais là, de toute façon, dans les faits, ça devient une urgence. Sur le reste, pour retomber sur le 27, parce que c'est également important, effectivement, d'évoquer le 27, la situation de l'éducation nationale, au-delà de la crise actuelle et de ce que nous vivons, ne pourra s'améliorer que par des recrutements et des améliorations des statuts. On en est tous convaincus, mais il est important que l'on se fasse entendre aujourd'hui et dans les jours à venir, pour essayer d'obtenir ces améliorations nécessaires pour nous et surtout pour les élèves.